Hello tout le monde, c'est Asso! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Borderlands. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va plutôt pas mal. Un bail que je n'ai pas joué, mais à quoi que ce soit. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché mon PC. Ça fait un petit peu de bien quand même. Mais là, là les amis, là, je suis super content. On va tirer sur tout ce qui bouge, ça va être génial. On a pas mal de quêtes annexes à faire avant de passer à la construisons une armée de robots. Qui dépasse d'ailleurs un petit peu du... C'est assez bizarre, c'est un peu gênant quand même. Ça. Bon, c'est pas important. Et on va trouver... on va trouver quelqu'un pour Nina. Ouais, alors je sais pas trop ce que ça va donner cette histoire, mais bon, toujours est-il, on va se téléporter. Alors je sais pas trop où est-ce qu'elle nous envoie. Pleine de tritons. Ok, très bien. Eh bien écoute, voyons voir à quoi ça ressemble, et voyons voir à quoi il ressemble le monsieur, parce que mine de rien, voilà. Et on va trouver le premier prétendant de la dame, n'est-ce pas? Alors, on va se prendre un petit buggy lunaire. On va le changer en lance-missile déployé monté. C'est parti! Même. Avant ça. Aucune atmosphère détectée. Certes. Avant ça, je voulais juste voir. Oh! D'accord. C'est dans la même zone. Bon, eh ben on va faire les deux en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît pas mal. Ça me paraît bien. Alors fouillons la zone et voyons voir où se trouve le dernier emplacement de la demoiselle. Merde. Oh. Sinon tu peux tourner à ça, tu sais. Ça marche très bien aussi. On dégage. On dégage. Excusez hein, pour tout le mal commis, tralala, tout ça. Aha! Un véhicule! Voyons voir. Hop, hop, hop. Oh, yes! D'ailleurs, tiens, en parlant d'amélioration, on en est à combien? M53, ça y est, je sais ce que j'ai oublié! J'ai oublié de faire ça. D'aller récupérer des améliorations, c'est pas grave, on économise. Je vous assure, monsieur! Vous trouverez pas de meilleur compresseur à vapeur à Concordia, à Sprit. T'es sûr qu'il sera compatible avec mon buggy? Il a pas l'air fait pour les hautes pressions. Oh mais oui, monsieur, certainement. C'est exactement le modèle qu'il vous faut. Sauf qu'il est vendu sous un autre nom par certains marchands. Pour tromper les honnêtes gens comme vous. Si mon prix est si bas, c'est que je vous épargne leur marge indécente. C'est bon, top là, jeune fille. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur. Je vous laisse installer ça, alors. J'ai un rendez-vous urgent au carrefour lunaire. Merci encore. Elle est gentille, mais quelle bécasse. Je vais l'écraser vite fait et lui reprendre mon fric dès que j'aurai installé mon tout nouveau compresseur. Boum! Ça alors? C'est Elisa? Mais c'est bizarre, elle parlait tout chelou. L'important c'est qu'elle soit en vie. Mais elle sait même pas qu'elle est passée à un cheveu de se faire assassiner. Heureusement que ce compresseur avait un défaut. Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir la rattraper au carrefour lunaire. Ok, ça veut dire rendez-vous au carrefour lunaire. Et le carrefour lunaire, il est... Ah ouais. Ben avant ça, on va faire bah du coup notre autre quête puisque c'est plus près. Ouais, ça me paraît bien. Allons-y. Ouais, on va tout faire, disons, mais on va tout faire les uns après les autres quoi. Alors est-ce que c'est ici? Ouais, c'est là. Et ici, il y a plein de gens, je suis sûr et certain. Alors sortez vite de votre. Voilà, tu sais quoi, on va y aller comme ça. De toute façon, on a peur de rien nous. Je prends mon nouveau flingue. Et on va voir ce que ça va donner également avec ce nouveau flingue là. Parce que mine de rien je l'ai testé un petit peu dans le vent dans le précédent épisode. Mais je n'ai pas encore testé ça contre des gens. Trouver le premier prétendant. Prétendant, où es-tu? Lui, joli visage. Donné chocolat et fleurs. Qu'est-ce que tu veux, chasseur de l'arche? Mais il est où le monsieur? Il est où le monsieur? Bah parce que t'as vu quelqu'un toi ma grande. Donner le cadeau à Balèze. Ouais, c'est-à-dire, il est où ton Balèze? Parce que, enfin... Seriously? Balèze? Arrête tes conneries! Non, sérieusement, il est où le bonhomme?
S'il vous plaît. Attends, je suis en train de péter un câble ou c'est moi là? Seriously? Merde, je suis tombé. Ouais. Alors est-ce que... Non, sans déconner, vous avez vu quelqu'un dans cette salle, vous? Attends, ça ne va pas du tout. Asso, soit t'es pas réveillé, soit t'es complètement aveugle, mais il y a un moment où faut choisir, vois-tu? En plus, il m'a parlé, le mec, genre, il était... what the freak? Ah, c'est toi? L'infirmière Nina te kiffe grave. Elle m'a demandé de te donner ça. Te kiffe grave. L'infirmière Nina? Oh, ça alors, j'aurais jamais cru. Est-ce que je rougis? Je rougis, c'est ça? Oh, dis à Nina que je passerai la voir bientôt. Maintenant, tue-le avec glace pour tester chaleur de son amour. Hein? Pas si je te tue d'abord. Triste. Était joli, mais trop faible. Nina avoir oublié de dire, toi, tester les candidats, ok? Si eux, assez costauds pour supporter tout l'amour de Nina, ils survivent. Va voir candidat numéro 2. Oublie pas carte et fleurs. Ouais, alors j'ai pas pu le geler parce que je n'ai aucune arme qui me permet de geler. Alors à moins que le snipe soit un truc de gel. What the freak? Oh! Va te calmer, ouais! Non, c'est un dégât électrique, je confirme. D'ailleurs, tout est dégâts électriques chez moi. Wouah! Alors, toi, ta tête, elle a dû. Elle est encore vivante cette tour, c'est incroyable. Possible ça? Non, mais sans blague. Bon, très bien. Alors, il faut trouver le prétendant number 2. Prétendant number 2 qui se trouve. Qui se trouve pas dans le coin. Bon, bah très bien. Eh ben, va te faire fiche alors. On va faire autre chose. Canyon des terres éloignées. D'accord, très bien. Pour un pickle de plus. Donc, ça, c'est la dame Elisa. Et on enchaîne. Par l'avant. Oui, ça fait un moment que je suis dans le vide par contre. Hein. Tu feras attention, mais. Cette gare n'a pas été passée depuis un bon moment. Mais je peux la remettre en fonction. Tu trouveras une console quelque part dans le coin. Bam. Amène-moi devant et je m'occuperai du reste. Okidoki chérie, appelez le train, se rendre à l'usine de production. Non, c'est pas ça que je veux. Fouiller près du carrefour lunaire. Bah fouillons près du carrefour lunaire. Merci. Oh, il y a une munition de roquette. Attends. Boum. Je suis content. Ouais, c'est tout ce que je voulais faire. Merci. Non mais j'y crois pas. Tiens, quel salut. Quel débile. À l'aide qu'elle disait. J'ai des pierres lunaires. Ah, tu parles. Et maintenant je me retrouve avec des cailloux sans valeur et à pied. Mais j'ai encore un tour dans mon sac. Dès que je la retrouve, je l'étrangle. Il est complètement dingue. Chiffle-le. Ça devrait le calmer. Oh, na bravo. Ah non, c'est bon, je l'ai pas tué. Dégage, tu me gaves. Bon, très bien, faut gifler le monsieur. Ça, je vais m'en charger. Voilà. Merci, j'en avais besoin. Bah, je t'en prie. Elle m'arrête alors que je passe. Elle me dit qu'elle a besoin d'aide pour transporter des pierres lunaires. Alors moi, je descends. Et là, elles sont à ma place et elles filent avec ma super caisse. Bon, d'accord, j'étais sur le point de lui faire les poches. Mais rien de plus, je le jure. J'allais pas l'étrangler. Mais bon, mon véhicule a un mouchard. Alors elle va être bien surprise quand je vais la rattraper. Strangulation. Elisa lui a piqué sa caisse. Bon boulot. Trouve la fréquence de ce mouchard. Si quelqu'un doit trouver ma sœur, ça sera moi. Donne-moi la fréquence du mouchard. Ou tu perdras plus qu'une voiture débile. Tu rigoles? Il est hors de question. Non. Choisis vite. Non. Choisis non, vite parce que je suis pas commode, non, moi. Pas question. Non. Étranglé. Canal 27. Canal 27. Bon travail. Direct. C'était quand même un vrai cinglé. Ah, j'avoue. Bien. Je passe sur le canal 27 et je mets à jour ton système écho. Voilà, fais ça. Donc du coup, ah bah super. C'est horreur de me paumer. Ah bah t'es pas perdu, chérie, t'es pas perdu. 33 de thunes, ouais, c'est un plaisir.
Bon, c'est un peu ridicule, mais disons, ça fait plaisir quand même, quoi. On va prendre le pont à ce par contre. Ouais, voilà. Wow, 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 wow. Pa-da-pa-pa-pa-da. On dégage. C'est Elisa. Et elle est en danger. Non, ça va. Cet écho et essaie de pas faire mal au ratide. C'est des orphelins, comme moi. Ne pas blesser les ratides orphelins. Ça fait des jours que je traque cette petite crapule qui m'a volé mon fusil préféré, Boganella. J'ai bien failli la voir. J'ai tiré sur sa caisse de flambeuse, mais elle est rusée. Bruce, si tu trouves ce message, elle a pris les clés du chasseur. Elle doit être en route pour Balaf de la Crise pour me le voler. Oh, je me vide de mon sang. Mais si t'arrives à la buter, j'aurais pas fait ça pour rien. C'était pas Elisa non plus. Mais je crois qu'elle s'est mise dans de beaux draps. On doit la retrouver avant ce Bruce. Il a pas l'air aimable. Apparemment, elle est en route pour la tour de communication de Balaf de la Crise. Je mets à jour ton système écho. Pour la 15e fois. Oh, faut TP. Seriously. Seriously. Bon, eh ben on va TP. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, on va TP. Hein. Ouais, t'es pas perdu, va. Ça valait le coup de prendre la voiture, n'est-ce pas? Ouais, absolument. Je suis d'accord avec vous. Yaha! Salut. Voyons voir. Balafre de la Crise. Du coup, où es-tu, chérie? Ah, t'es là-bas. D'accord, ça va. Eh ben, allons-y. Je sens bien qu'il y a beaucoup de monde dans le coin. Ouais, voilà, déjà, alors toi... Oh, je l'ai loupé! Toi aussi. Non, mais sérieusement? Ah, voilà. Ah, la bim. Eh, tu te calmes avec ton snipe, toi, tout de suite, hein, je te... Très bien, toi aussi. C'est bon? Eh ben, c'était vite réglé. Ah, merci. Bon, profitez pour faire un petit peu le tour, hein. Très rapidement. Ouais, ça paraît bien. Non, plus de blanc. C'est terminé. Bam. Ok, ensuite. Qui veut jouer encore? Hein? Quoi? Oh là là. Je ne sais plus viser, ça y est. Putain, tu joues pas pendant quelques temps et sans déconner, tu... T'arrives plus à rien. Arrête, oh là là. Faire un boucan comme ça, c'est fou ça quand même. Qui veut en... Ah, toi. Je t'ai vu. Tu es spotted. Est-ce bien? Est-ce bien? Bon, on va. Oh, c'est beau les couleurs là. C'est magnifique, dis donc. Rien du tout. À part un peu de fric. C'est pas important, on s'en fout. Ouais. Je sais plus tirer. C'est quand même assez incroyable ça, dis donc. Alors Vas-y. What? Ah voilà. Non, pas bien. Ça y est, gros bordel. Yeah. Wouh. Il y en a encore deux sur la droite également. Oh oh oh. Ouais, bim. Alors lui, il s'est fait, mais genre défoncer la... Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je t'ai défoncé la tête. Pas d'autre mot, mon pote. Je t'ai défoncé la tête. Est-ce que c'est par là? J'en sais trop rien. Oh. Le vert. Que du vert. Rien d'autre.
Ouais, alors je pense aujourd'hui au niveau des épisodes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 épisodes de Borderlands, tranquillou, voilà. Parce que ça reste quand même la série et qu'il faut en sortir un par jour, ce qui est quand même assez lourd. D'ailleurs, je voulais dire encore autre chose, mais ça j'y viendrai tout à l'heure. Également, peut-être un petit épisode ou deux de KSP éventuellement si je suis motivé. Et le premier épisode de la nouvelle série. Enfin, de série, je m'entends. Voilà, de quelques épisodes probablement que je vais faire sur Elite Dangerous. Jeu assez intéressant. Assez difficile à capter dans un premier temps, mais on fera en sorte. Et je ferai en sorte de vous faire comprendre plus ou moins le jeu si toutefois ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos retours encore une fois. J'accepte, n'est-ce pas? Voilà, pas de problème. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je ne sais plus qui c'est qui m'a écrit le commentaire. Parce que j'ai une mémoire de merde. Mais, et puis je ne l'ai pas relu avant de commencer cet épisode. Mais quelqu'un me disait que le truc qu'il y a, c'est que j'envoie beaucoup trop d'épisodes. Et en même temps que je propose pas suffisamment de jeux, forcément. Chasseur de l'Arche, tu me suis? Qui est-ce qui t'envoie? Death le crado? J'aurai pas le fric avant encore un mois, je te préviens. Non, c'est moi qui l'envoie. Pickle? Oh bon sang, t'es le chasseur de l'arche de mon petit frère. Ben puisque t'es là, y a un type qui arrive avec tout un tas de pillards pour me faire ma fête. Fais-moi gagner assez de temps pour faire le plein de ce chasseur, et je viendrai t'aider. Ok? Chasseur de l'arche, aide ma sœur, et je te promets de plus jamais te faire les poches à ton insu. What? Oh l'enflure, il me faisait les poches l'enfoiré. Ouah, j'ai tout loupé quoi. Oh merde. Oh, t'es chaud toi. Oh, il m'a tué. Nature. J'étais en plein saut et l'autre il fait quoi? Bah il me balance un truc et je sais pas quoi, explosif, tonneau de glace ou j'en sais rien. Et je tombe dans le vide comme une grosse merde. Na bravo. Oh putain, c'est incroyable. Dégage. 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 Il est où l'autre? Voilà. Ah, il y en a encore un derrière moi. Hop. Dégage. Voilà. Ah, je suis bien là. On est au taquet, on est au taquet. Ça se passe, tranquillou. Il est où? Il est en haut ou il est en bas? Il est en haut. Bouge, bouge, bouge. Putain. Ah là. Il a réussi à me toucher avec sa merdasse l'autre. Salut. J'avoue, t'as un vrai talent pour crever. Ah, j'arrive pas, j'ai pas réussi à monter. Ah, ils sont chauds là, dis donc. Et lui qui veut pas crever là. Putain, qu'est-ce que tu veux toi? Bon, vous m'avez saoulé. Voilà. Possible ça. Putain, on se fait emmerder toutes les 3 secondes là, c'est incroyable. Bon, il y en a encore un? Ouais, il y en a encore un, je suis. Même 2. Voilà. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il a sauté dans le vide. Ah bah oui. Elle s'en sortira pas vivant, chasseur de l'arche. Pas de chance. Elle a tué ma copine, Sheila. T'en fais pas, chasseur de l'arche. Je te couvre. Solide le Bruce là. Voilà. Wow, il y a un peu de monde là d'un coup de nouveau. Dégage. Oh la vache, il y a du monde. Ah, j'ai pas réussi à lui mettre dans la tête. Jolie lumière. Dégage. Oh, et bim, headshot. Et ah non, loupé. Voilà, c'est ça qu'il faut depuis le début là.
Y'a un gars, il est. Ah voilà. Ah, c'est pas une tête ça. Dégage. Oh la vache, c'est magnifique. On fait une super équipe. Enfin, ouais, bref, fantastique. Moi, faut que je file. Il est largement temps de réunir la petite famille. Ouais, voilà, fais ça. Elisa arrive. Oh, bon sang, faut que je fasse un brin de ménage et que je fasse bouillir de l'eau. Reviens me voir à l'occasion. Ça me ferait plaisir de te présenter ma sœur. Ouais, ça, ça veut dire une nouvelle mission, ça. Oh, je sais pas comment tu le sens, toi, mais... Bon, très bien. Bon, bah alors, on va revenir. Ah, tiens, ouais, accessoirement. Il est où déjà ce truc électrique là? Il était là, hein? Ouais, il est là. La boîte à fusibles. La fameuse que j'ai cherchée pendant je ne sais pas combien de temps. Alors que c'était tout con. Salut. Interesting. Yes, nice. Ça, c'est bien ça. On a la race de munitions. Et c'est parfait, pas besoin d'en acheter. Alors du coup, on va aller voir notre ami là qui nous présente sa frangine et notre ami Pico. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut ce qu'il nous propose, parce que probablement qu'il va nous donner une nouvelle mission peut-être, allez savoir. Kechi. Voilà. Prudence, aucune atmosphère détectée. Oui, absolument. Très bien. Et également, peut-être qu'on aura le temps d'aller voir le deuxième mec pour Nina. Qu'il va peut-être falloir que je défonce de nouveau, encore une fois. Je ne sais pas trop. Allez savoir. On verra, je ne sais pas. Voilà. Pleine de tritons. C'est parti. C'est vraiment cinglé ce jeu, complètement ouf. Y'a un truc à faire dans le coin là? Mis à part TP, je veux dire. Non, hein? Non, y'a pas. Très bien. Alors, allons TP. Ouais, buggy lunaire, c'est bien ça. Lance-missile, ouais, c'est très bien ça. Ah, allons-y! Et je me demande quand même. Alors, on a des armes complètement cheatées sur nous, mais ça vient du fait que ben, j'utilise les coffres de Shift Code, souvenez-vous? Mais je suis en train de me dire, merde, si t'as pas ces clés de shift code, sans déconner, des grosses bonnes armes, bien fat, bien crades, tu trouves ça où? Ah, parce que mine 2, c'est pas comme si c'était super simple à trouver, quoi. Donc, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Mais bon, après, on s'en fout, c'est pas important, parce qu'on a juste encore 90 clés, nous, donc tout va bien. Mais disons, question de principe, quoi. Rappelle-moi, oui, c'est vrai, faut marcher un petit peu. C'est vrai. Et ce superbe lance-roquette de ouf qui fait juste 2600 de dégâts. Ça va. C'est honnête quoi. Plutôt honnête comme truc. Bien, Pickle. Au rapport. Ah oui, d'ailleurs, tu me faisais les poches, faudra qu'on en parle. La blague. On a tranquillement papoté de nos parents, l'avenir, tout ça. Et puis pendant que je nous servais du thé. Elle a filé en se fourrant dans les poches la moitié de mes économies et mes meilleures affaires. Ah, ça, les chiens font pas des chats. Allez, Sérette, à la prochaine. Ouais, bah tu t'es fait enfler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, donc elle t'a laissé un beau fusil. Elle le trouve un peu trop causant pour elle, apparemment. 50 x 15? Allez, quoi? L'heure tourne! Ouais, quand même, ton truc il est assez fat là, mine de rien. 50 fois 15, mais c'est un truc de cinglé. Bon, peu importe. L'amour à la rude. Faudrait quand même qu'on le teste ce fusil à pompe là, parce que 50 x 15. 15 balles qui partent en même temps, c'est assez rigolo. Pourquoi pas? Trouvons le deuxième prétendant pour Nina. J'espère qu'elle sera contente cette fois-ci. Parce qu'on a des fleurs et du chocolat à offrir. Ah, ce pauvre bougre. Alors, canyon des terres éloigné. Attends.
C'est ici la quête en fait. Bah ouais, c'est ici la quête. Où est-ce que j'allais moi? Oh, je sais pas. Et c'est où exactement? D'accord, c'est droit devant. Bon, très bien, on a pas besoin de prendre le TP, ça c'est plutôt pas mal. Enfin, le de voiture, pardon. Autant pour moi. Et probablement qu'on va devoir vider la zone à nouveau. Ou alors le mec il est juste là, tranquillou, tout seul, comme un cucu. Et. Ok. Ouais, j'ai pas compris. Ah, si, attends. Ouais, bref, peu importe. Je sais pas. J'ai pas tout suivi là, voyez-vous. Et ben non, loupé. Retente ta chance, Asso. C'est pas grave, de toute façon, il est là-dedans. Ah, ou pas. Merde, il est peut-être par là-bas en fait. S'il vous plaît. Je cherche un monsieur pour Nina. S'il vous plaît. Hey. Yes. Parfait. Ça m'arrange ça. S'il vous plaît. Bah c'est lui qui a commencé. Enfin, il était là. Oh, détente. Il m'a touché. C'est des snipers avec leur truc. C'est assez incroyable. Voilà, y'a quelqu'un qui a vu un bonhomme pour Nina ou pas du tout? Non, parce que j'ai pas toute la journée en fait, tu vois. Ah, c'est peut-être toi là. Oui, c'est sûrement toi. Lui, air costaud, donne cadeau. J'espère pas couvert de sang. T'as tapé dans l'œil de l'infirmière Nina. Elle m'a chargé de te donner ça. Chez Nina? J'aurais même pas te dire combien de fois elle m'a rafistolé. J'ai toujours espéré en secret, mais j'aurais jamais cru. Maintenant, tue-le. Utilise arme corrosive pour tester résistance de son amour. J'ai pas ma grande. Je vais te tuer. C'est coquin. Bah, Nina déçue. Voix de l'amour pleine de gros cailloux. Pas facile. Bravo. Toi, tu es les deux premiers candidats. C'est peut-être toi qu'il faut à Nina. Non, plan de Nina sans faille. Trouvez le troisième candidat. Pas oublier carte et fleurs, ça a coûté argent. Eh bien, ma pauvre. Ah, le troisième, il est là aussi. Très bien. Eh bien, allons-y. Où je vais maintenant? Par là-bas. On va se récupérer une tuture. Prudence, niveau d'oxygène à 50% et en baisse permanente. Parfait. De toute façon, t'es foutu. Mec, il en peut plus, tu sais. Il se lit le torque là, dis donc. Il est bien ce flingue, mais je me demande si l'autre était pas un peu mieux. Allez, ça va. Bien. Pas de chance. Tout, c'était tout pour ta gueule là. Allez, on enchaîne. Oh merde, je peux pas prendre de véhicule ici. Oh, c'est vrai. Headshot. Ouais, c'est pas gilet comme flingue. Hein. J'ai quand même l'impression qu'on faisait plus de dégâts avec l'autre. Je vais reprendre l'autre rapidement juste pour refaire un essai. Parce que ouais, tout simplement. Hop, je vais comparer les stats. Exactement. Je n'aurais pas mieux dit, chérie. C'est tout à fait ça le principe et le concept, vois-tu. Oh, merci. Eh, hey, vous en aviez de la pierre lunaire, vous. Encore. Amen, Raboul. C'est bon, ça. C'est quoi, ce truc? On s'en fout, c'est vert. On prend. Encore un peu de pierre lunaire. Nice. M57. Oh yeah, baby. Ça, c'est bon, ça. Tiens, ça y est. Ah ouais, par contre... Au niveau de la visée, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais en mode ultra furie de la mort là, ce flingue il vaut carrément le coup. D'accord, très bien. Oh, dans les gencives. Dégage. Pas de chance, dégage. Ok.
Ah, je viens d'y penser, mais j'ai pas pensé à regarder autour de moi s'il y avait pas des fûts explosifs ou gelés avant pour les représentants de Nina là. Si ça se trouve, j'étais pas obligé d'avoir des armes corrosives ou quoi que ce soit. Mais tout simplement avoir peut-être, je sais pas moi, un truc qui aurait pu m'aider aux alentours. Et je n'ai pas fait attention. Bon, peu importe. Trop tard, c'est fait. Mais je vais peut-être faire gaffe pour le dernier. Et le dernier qu'on ne tuera pas d'ailleurs, puisque c'est le dernier. Donc concrètement, si elle veut un mec, peut-être éviter qu'on tue quoi. Après, c'est que mon avis, hein. Tu fais ce que tu veux, chérie, disons, mais. Mais bon. Non, je suis retombé. Je suis vraiment une merde. T'as seul le but, c'était pas de tomber, merde. Oh, dur. Et je fais comment pour remonter maintenant, moi, proprement, là? Oh, holy cheese, sweet mama. Seriously? Come on. Ah. Hey, t'es fou, toi. Dégage. Exact, ouais, exactement, ouais, je te le fais pas dire. Vraiment, c'est cinglé, toi, je te jure. Toi, n'y pense même pas. Parce que tu vas finir par m'énerver. Toi, pareil. Oh, mais y'a des trucs ici, dis donc. Eh, vous avez laissé plein de choses. C'est quoi ça? On prend, on s'en fout. C'est quoi ça? On prend pas. C'est tout? Non. Eh, voilà. S'il vous plaît. Non, c'est pas toi. Je cherche un prétendant pour Nina. S'il vous plaît. Non, elle est sérieux. Il est où le bonhomme? Y'a encore quelqu'un de vivant? Non, parce qu'elle veut pas d'un mec mort en fait. C'est assez ennuyeux, oui, certes. Oh! Non, c'est un tonneau. Ne t'énerve pas, ça ne t'excite pas, tout va bien. Ah! T'es un méchant, toi? Non, t'es pas un méchant. Toi, voir ses mains? Puissantes, bien. Donnez cadeau. On se connaît, non? On peut faire quelque chose pour toi? C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps, tu vois ce que je veux dire? Et encore moins ta voix. On peut faire quelque chose. Nina. Oui. Ben, dis-lui que c'est gentil et tout, mais je suis pas intéressé. Comment? Il refuse amour de Nina? Tue-le. Tue-le avec flamme pour faire sentir ma colère. Des flammes. Je vais pas me laisser faire. Ouais, attends deux secondes, je cherche des flammes. What? Pillard. Pillard, est-ce qu'il y a pas un... truc de flamme quelque part? Non, c'est corrosif ça. Dégage. Pas toi que je veux là, tu m'intéresses pas. Électrique. Ah bah il est déjà en train de prendre des coups de jus d'ailleurs. Oh, y'a plein de choses qui tombent du ciel, c'est beau. Bien, alors attends. Qu'est-ce que tu veux toi? Dégage. Ah, il est encore dedans notre ami là? Holy jeez. Damn. Avec des flammes, ça compte ça ou pas? Ouais, c'est peut-être. Attends, ça fait des flammes. On est d'accord. Bon, très bien. Voyons voir. Attention. Attends, stop! Plus lui faire mal. Lui, trop beau et trop fort. Et avoir voix comme chant des oiseaux de mon pays. Nina. J'ai toujours été fou de toi. T'es mortel, au propre comme au figuré. Je voulais juste être bien certain que c'était du sérieux. Et la plus belle preuve d'amour, c'est quand même la tentative de meurtre. Viens voir, Nina. Elle va retaper toi. Je serai là en moins de deux, ma douce colombe. Merci, chasseur de l'arche, je te dois beaucoup. J'ai toujours eu un faible pour cette petite fleur de printemps. Tu sais... Il va crever ici, en fait. Non, ça va aller? T'es sûr, hein?
Je voulais pas te faire mal, mais en même temps, elle m'a demandé des flammes, alors... et du coup, j'ai même pas fait attention si j'ai rempli la mission explosif, enfin, flammes, tout ça, là. C'est un détail. Bien, il faut retourner voir Nina. Vers la plaine des Tritons. Canyon des terres éloignées. Complexe d'entraînement abandonné. Ok, d'accord. Je sais pas. Je sais pas trop où aller. Bon, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se casser par là-bas parce que c'est le plus près. Après, si c'est le bon, je ne sais pas. On s'en fout. En tout cas, c'est là-bas qu'on va. Ah, c'est bien. On aura fait un petit carnage là. C'était intéressant. C'était intéressant. That way. Ok. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, donc on va y aller. Hop. Bien. Appeler le train, se rendre à l'usine. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et je suis où du coup? Ah, je suis là. Ouais, très bien. Ok. Trouver le nid des créatures. Mais ça, c'était dans le canyon des terres éloignées. Dis donc. Ouais, c'était derrière moi en fait. Merde! Ah. No big deal, c'est où? Ok, c'est là-bas, très bien. Eh bien les amis, on se fera ça, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner les amis parce que vous aimez ce que je fais, c'est dans quelques secondes sur ma tronche. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao tout le monde!